Bonsoir. 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 Bonsoir, ça va? Ça va. Bonsoir, Agathe. Bonsoir. Bonsoir à toutes. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Je pense qu'on peut y aller. Donc, bonsoir. S'il y a des nouveaux, si unos están nuevos, yo soy Agathe. Et je vais vous présenter donc la dernière région française. Alors, les pedimos que se quedan muteados. Ojo, si hay alguna pregunta, le pueden hacer al final. Solo va a durar 30 minutitos. Y así les voy a ir presentando la última región. Donc, je vous présente ce mois-ci, pour le mois d'août, notre dernière région du Tour de France, attention, qui est la région de l'Île-de-France. On ne connaît pas beaucoup cette région. En général, c'est la région de Paris. En général, se conoce más la capitale, Paris, pero no tan su región, qui s'appelle donc l'Île-de-France, ou podríamos traducir con la Isla de Francia. Donc, c'est une région située au centre nord. C'est un poquito al norte. No centre totalement. Et c'est une des plus petites régions françaises. Donc, on va essayer aujourd'hui de présenter sa géographie, son histoire, et de se poser la question de pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça. ¿Por qué se llama la isla? Et d'onde viene ese nombre? Je vous le dis d'ores et déjà, hein, il n'y a pas exactement de réponse. Il y a plusieurs hypothèses. Alors, comme toutes les régions, c'est divisé en départements. Assez original, c'est divisé en 8 départements, dont 4 très petits. Cada región se divide en départements. Donc ici, les Yvelines, le Val d'Oise, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, les Seine-Saint-Denis et Paris. Voilà, les 8 régions. Donc bien sûr, on voit dans chaque nom de région les noms des fleuves ou des rivières qui les traversent. Cada nombre es el río que les cruza. Vous devez connaître, par exemple, la Seine. Ojo, en français, c'est féminino. On dit la Seine. Les habitants en Île-de-France, on les appelle les Franciliens ou les Franciliennes. Et un premier élément qui pourrait expliquer pourquoi on va appeler l'Île-de-France, la Isla de Francia, ça peut être son caractère insulaire. Je m'explique. Donc, c'est une région très petite. C'est une région donc, qui représente 2% du territoire. Hein, representa 2% del territorio. Es muy poco. Et cependant, elle regroupe 20% de la population française. Hein. Hay 12 millones de habitantes sobre Francia que son 67 millones de habitantes. O sea, más o menos 20% de la población en ese territorio tan chiquito, ahí tiene algún carácter como de isla. On pourrait trouver ici une première explication à ce nom. Regardons ensuite à quoi ressemble la géographie de la région. Donc, on peut aussi penser que c'est une île, parce qu'il y a beaucoup de cours d'eau. Cette zone, on appelle ça le bassin parisien, o sea, la cuenca parisina. Et c'est une zone très plate, hein, muy plana, casi no hay relieve, irriguée par la Seine, donc c'est un fleuve navigable, et ses affluents. Un fleuve, c'est-à-dire un río que termina en el mar.
et ses affluents, donc la Beuvronne, l'Oise, la Marne. Y todos esos ríos podría ser la razón también por la cual lo llamamos la isla. Está enrodado de agua. Voilà, donc malgré le fait que c'est une zone avec une très forte urbanisation, un desarrollo urbano muy importante, on va trouver de nombreuses forêts, de nombreux endroits avec des bois, donc numerosos bosques, qui constituyen una reserva de biodiversidad importante también. Voilà, on voit ici, vous connaissez peut-être hein, la forêt de Rambouillet, les parcs naturels régionaux, que je vais vous présenter tout de suite. Porque una vez que estamos en París, no quedan tan lejos. Donc la forêt de Rambouillet, une très très grande forêt de 200 km², qu'on va trouver dans le sud des Yvelines, et où on peut voir beaucoup d'animaux. Ahí se puede encontrar muchos animales, como les sangliers, donc unos jabalis, des cerfs, donc le cerf élève qui est le cerf typique européen, ou encore, attention, c'est très insolite, on va trouver des kangourous. Alors non, le kangourou, ce n'est pas français, hein? No es de Francia, non. Ça date des années 70. Dans une réserve naturelle privée, il y a des kangourous qui se sont échappés. Et visiblement, ils ont bien aimé la forêt de Rambouillet, donc ils sont restés. Ahí se escaparon de una reserva privada en los años 70. Y desde entonces se quedaron ahí porque parece que se encontraron bien. Voilà, donc on était sur le domaine de Rambouillet. On trouve un autre parc naturel régional qui s'appelle le Gâtinais français. Donc, otro parque protegido. Donc, bien sûr, on peut y faire de nombreuses promenades, des randonnées et d'autres activités forestières. Au nord, acá estamos cerca de la région, se llama Picardie. On est vraiment limitrophe à la Picardie. On va trouver l'Oise, pays de France. Un autre parc naturel régional. Et la haute vallée de Chevreuse. Donc, une vallée, c'est un vaché que je vous propose de découvrir en image avec une courte petite vidéo. Je suis là et voilà. Non, c'est pas ça, c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est ça. J'y arrive. J'ai un petit problème de son. El sonido era un ukulélé. No es tan importante si no escucharon bien. On continue. Alors, comme vous avez vu, depuis Paris, on nous propose là, par exemple, avec la balade au bus, que es un juego con palabras, balade es un paseo, une promenade.
on propose aux gens donc de pouvoir faire un tour en une journée jusqu'à ce domaine de la Chevrette. Donc voilà un peu pour ce qui est de la faune et la flore autour de Paris. De la Chevrette. Je vais maintenant vous présenter quelques villes et quelques villages, c'est-à-dire Ciudad et Pueblitos. Donc toujours en dehors de Paris, hein, para hoy voy a dar la vuelta de París y después más entrando en el mes de agosto vamos a encontrar la ciudad de París. Mais je voulais aussi présenter ces alentours qui sont souvent méconnus. On va trouver au sud Dourdan, donc la ville de Dourdan et son château médiéval. On trouve à l'est la ville de Provins, qui est une cité médiévale. Encore une fois, dans l'Essonne, on va voir la ville de Milly-la-Forêt, un petit village très joli, hein, très charmant. Et enfin, je vais vous montrer le domaine de Mincy, qui est situé dans une région que l'on appelle la Brie française. Alors oui, la Brie, tal cual como el queso. Pourquoi? Parce que si el queso se llama así, es porque la región y la ciudad donde lo crearon se llama Brie. Así que todos los quesos pueden encontrar una ciudad que tiene el mismo nombre. Roquefort, Saint-Agur, Camembert, pueden averiguar que existen todas estas ciudades. Donc, commençons par la ville de Dourdan. Dourdan, c'est une petite ville qui a environ 10 000 habitants, hein. Donc une ciudad bastante chica, qui date du Moyen-Âge, avec là une très belle église du XIIe siècle. C'est l'église de Saint-Germain en Auxerrois, qui a beaucoup souffert, donc qui a subi un incendie, qui a subi les guerres, qui a été reconstruite de nombreuses fois. Lo que suele pasar, las construcciones con las guerras de religiones, con la guerra con Inglaterra, que ocurrieron durante la Edad Media, después del Renacimiento, suele pasar que tiene una parte de tal época, otra parte de tal época. Y ahí, por ejemplo, por esta iglesia, si yo cherche la date de construcción, je vais trouver le XIIe siècle, le XVe siècle, le XVIe siècle et le XIXe siècle. Tiene cuatro fechas distintas de construcción. À chaque fois, on répare, on rénove. Voilà, c'est comme ça. Et cette ville possède aussi son château médiéval, un très vieux château de 1222. De 1222. On voit ici donc les murailles. Et de esta época del siglo XIII, es el único castillo de esa región que sea tan bien conservado. On voit les douves, donc cet espace après la muraille, tout autour, ce sont les douves et le donjon, cette tour principale. Aujourd'hui, il y a un musée ici, et si quieren visitar, se puede hacer virtualmente en Google. Très intéressant, on peut faire un petit tour. Voilà, et un point central dans les villes, ce sont les halles. Donc là, c'est une halle. Es el lugar donde se hacen las ferias muy populares, las ferias de verduras, donde los campesinos alrededor, los que cultivan, traen las verduras o cualquier producto alimentario así para venderlo. Donc en général, on trouve des halles dans les villes plus ou moins vieilles. Cette halle est de 1829. Pero que era el corazón de la ciudad desde la Edad Media. Antes había otra, la destruyeron, era muy antigua e hicieron esta en el siglo XIX. Voilà pour la ville de Dourdan. On continue avec la ville de Milly-la-Forêt qui, là, a su conserver ses halles centrales qui est du XVe siècle. Et ça, es del siglo XV. Et on continue toujours à l'utiliser, ça sert d'abri lors des marchés.
Y hoy en día siguen las ferias abajo de este que sirve para como hogar, dar un techo a las ferias. Alors, Milly-la-Forêt, c'est une toute petite ville hein, avec 4000 habitants, pas plus, 4000 habitantes, mais très charmante. Et je vous raconte, donc je l'ai découverte par hasard. Quería volver a mi casa en auto sin tomar la autopista, así que me fui por los caminitos y ahí quise bajar a tomar un café y no pude resistir en dar una vuelta porque esa ciudad estuvo hermosa. Vraiment très jolie. On va trouver dans la ville des lavoirs. Donc, ce sont ces endroits où avant, on venait laver le linge. Acá antes, se limpiaba la ropa. Et des lavoirs qui sont très, très bien conservés. Ahí tenemos otro. Très joli. Et bien sûr, hein, on est en France, il y a des châteaux partout. Encore un très vieux château qui est là du XIIIe siècle, del siglo XIII, 1400, sería. Et la porte du Moussier, donc, el elemento, el, las ruinas más antiguas de la ciudad, qui sont du VIIe siècle, o sea, esos son del siglo VII. C'était avant, donc le Moustier, c'est de l'ancien français pour monastère. C'était la porte du monastère. Et on termine donc ce tour des villes avec la ville de Mincy, la ville ou plutôt le village. Un village, c'est quand il y a moins de 2000 habitants. Cuando hay menos de 2000 habitantes, decimos village. Et là, il y a moins de 2000 habitants. C'est un tout petit village très, très joli dans lequel on croise beaucoup de rues. Alors, attention, rue es la calle, la rue, le rue es ese cuando hay un bracito ahí del río que se va un poco ahí entrando por toda la ciudad, decimos un rue. Et cette ville en possède beaucoup, c'est ce qui fait aussi son charme, la ville de Mincy. On trouve aussi à Mincy ce qu'il y a de très connu, muy famoso, c'est ce petit pont. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a été peint par personne d'autre que Monsieur Cézanne, un peintre impressionniste. Et ce tableau a été peint en 1879. On peut aujourd'hui le voir au musée d'Orsay. Voilà, los pintores, como vimos con la región de Normandía, descubrimos la casa de Monet. Los pintores solían alejarse un poco de París para pintar, los impresionistas, que les gustaban pintar en aire libre. Donc, ce n'est pas un hasard si dans des petits villages, on va trouver quelque chose de peint par des impressionnistes. Et enfin, peut-être que vous connaissez Mincy pour autre chose, c'est le château de Vaux-le-Vicomte. Et pourquoi ce château serait plus connu qu'un autre? Eh bien, parce que c'est le château qui a inspiré Versailles. Et c'est Castillo inspiró a Versailles. C'était le château de Fouquet. Et quand Louis XIV a vu que Fouquet avait un château aussi joli, il l'a mis en prison et lui a confisqué son château. Voilà. Ese castillo volvió Luis XIV celoso. Entonces, puso en cárcel su dueño. Se lo agarró y después se hizo construir Versailles. Hein? Ese rey no se puede tener un castillo más lindo que el del rey. On rigole pas. Voilà donc le château de Vaux-le-Vicomte. Et pour terminer ce petit tour des villes assez jolies, caractéristiques, Provins. Donc Provins, ahí estamos siempre en ciudades que quedan a una hora y media de París. Quedan bastante cerca. Alors Provins est une petite ville d'environ 10 000 habitants qui est entourée de murailles. Et c'est une ville du Moyen-Âge. On va trouver ici la tour César, qui a servi de prison, qui a servi de tour de guet. Hein, tenía una función, la mayor parte del tiempo, una función militar.
Et cette toute petite ville, au 9e siècle, c'était quand même la ville, la troisième ville la plus importante de France. Hein. En los años 1000, era la tercera ciudad más importante de Francia, après Paris et Rouen. Mais ça fait longtemps. Depuis, ce n'est plus une ville si importante. On peut y trouver donc de très anciens bâtiments, comme l'église de Sainte-Croix, mais surtout le prieuré de Saint-Aïoul. Donc dans ce lieu, on a trouvé des reliques, on les y a mises. Donc avant, c'était un lieu de pèlerinage très important. Este también es un lugar del siglo X y era un lugar de peregrinaje muy importante. Donc pour vous montrer un peu la complexité de ce lieu, on peut ici visiter à l'intérieur. Je vous ai mis là un plan pour que vous voyez un chapelle son capilla, c'est un lugar donde se sumaron construcciones. On dit un prieuré parce qu'il possède beaucoup d'endroits pour les bénédictins, un cloître, donc acá un patio, lugar de vida, mas una iglesia bastante importante. Mais donc cette petite ville de Provins est tellement jolie que je voudrais qu'on la voie en image tout de suite. Ahí se la C'est ça. La ville de Provins. Et pour terminer, il reste une ville. Me imagino que adivinaron cuál nos falta. On va terminer donc avec Paris. Un petit bref historique, parce que Paris, vamos a necesitar un par d'encuentros para hablar de Paris. On va commencer sur les origines. Paris, c'est une ville très ancienne qui a été fondée par les Romains il y a 2000 ans. À l'époque, on l'appelle Lutèce. C'est une ville très riche qui prospère grâce à un commerce fluvial. Donc, je m'explique. Les Romains font le cadastre de Paris, o sea, el catastro. Pourquoi je précise ça? C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, ce cadastre a façonné la ville.
todavía lo que el catastro que marcaron los romanos es el de hoy en día, de la rive gauche, donc de una parte del Sena, donc de la rive gauche de la rue Saint-Jacques pour être précis. C'est là qu'a commencé la ville de Lutèce. Alors, on est en Gaule romaine. On appelle ça donc les Gallos romains, o sea, los gallicos con los romanos. C'est une ville donc qui prend le modèle romain, Lutèce, et qui va connaître 2 siècles de paix. On va avoir l'art de vivre à la romaine. Hein. En la época de Roma, si pudo conquistar tanto Europa y tantas ciudades es porque no ponían concurrencia, sino que ponían un modelo y cada ciudad se construía con ese modelo romano. Donc, on va vraiment faire attention à suivre cet art de vivre, c'est-à-dire les divertissements sont les mêmes qu'à Rome. On va au théâtre, la gastronomie romaine est copiée. Son architecture, ses modes vestimentaires. En général, donc Rome, c'est le centre de la mode. Hein. Todo se copia sobre el modelo de Roma. Et c'est ce qu'on retrouve à chaque fois qu'on fait de nouvelles découvertes archéologiques, on confirme ces dires. C'est une ville plutôt prospère et plutôt importante de 5 à 10 000 habitants. C'est pas vraiment, il y a entre 5 000 et 10 000 habitants. Donc, on suit cet art de vivre romain à la lettre. On trouve encore à Paris les arènes de Lutèce. Donc, avant, c'était beaucoup plus grand. Imaginez-vous, ça pouvait accueillir. On pouvait accueillir donc jusqu'à 17 000 spectateurs. On pouvait recevoir 17 000 spectateurs. Donc, ce serait la ville de Lutèce plus les alentours. Tout était prévu. Et quand on copie Rome, on copie aussi donc cette habitude des termes. Vous savez que les Romains géraient très très bien, maîtrisaient de manière incroyable l'eau, faisaient des aqueducs, et les termes, c'était très important. À la vez, las termas, los baños termales eran importantes por el higiene como por el encuentro social. On faisait du sport, on discutait, on se baignait. Et on a retrouvé les termes de Cluny. Alors, hay que imaginar que había termas en todas las ciudades. Sin embargo, privados como públicos, pero no resistieron todos. Voilà. On a de très belles termes ici. Et une petite reconstitution. On peut s'imaginer, vraiment, c'était une ville très, très prospère. Donc, muy prospera gracias al comercio debido al río. C'est un fleuve navigable, la Seine. Et ça, c'est un point très fort qui a permis à Paris ensuite de se développer. Voilà, donc c'est plutôt une représentation fidèle, pero hay que imaginar que alrededor eran más tiendas. On sort des termes, on va à la taverne, on va s'acheter des produits, y ahí también encontramos frascos en los cuales se guardaban perfumes, pomadas, cremas. On ne sait pas, mais on peut constater que ces petites fioles avaient vraiment de très, très jolies formes. Ahí entonces estamos 1800 años atrás. Et c'est aussi, donc c'est aussi une preuve de la richesse de cette ville. Et elle a connu donc un moment de paix et de prospérité. Jusqu'au 3e siècle, au moment où elle a été envahie par les invasions barbares. Donc les Francs arrivent, c'est une tribu des Germana. Ils envahissent le nord de la France. Et ahí se quedan, en esta región, en lo que sería hoy en día la Picardie, la Champagne, l'île de France et le nord du centre. Ils restent là. Et de a poco van invadiendo cada provincia. Soumettiéndola à ses règnes, les Francs. Au XIIe siècle, avançamos en el tiempo, los reyes siguen ahí y deciden de fijar el poder real en esa región.
Et là, on pourrait peut-être voir une autre origine. Volvemos hein, à l'origine del nombre de Little Frank, que sería un nombre sajón, para decir la petite France. Donc, peut-être que ce terme a aussi désigné la petite France, y de ahí con deformación dar Île-de-France. Voilà. Donc, cette ville située à l'origine sur l'île de la Cité, c'est à la isla donde está Notre-Dame de Paris, et la rive gauche, la rive es la orilla. Siempre escuchamos hablar de rive droite, rive gauche. Elle va s'étendre peu à peu sur les deux rives pour devenir une ville très importante. Hein, c'est vrai, extender. Donc là, c'est au XIIIe siècle. Todavía está en rodada de campos. Au XVIe siècle, on commence à voir cette ville de plus en plus prospère, très importante, pour arriver enfin au XIXe siècle, où c'est une des trois villes les plus peuplées du monde. En 1911, Paris est la tercera ciudad más poblada del mundo, después de Londres y Nueva York. Voilà, et elle connaît ensuite une augmentation de population spectaculaire au cours du XIXe siècle, pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Y eso aujourd'hui lo veremos en los encuentros que vienen. Y ahí terminamos. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Hein. No se olviden que nos encontramos la semana que viene para seguir ese encuentro. Alors oui, ça arrive très souvent, hein, estoy mirando las preguntas, que dos iglesias tengan el mismo nombre. De hecho, por ejemplo, la catedral de Notre-Dame, debe haber tres o cuatro o cinco, no sé. Notre-Dame de Bourges, recién presenté otras. Ça arrive très souvent. Voilà. Merci, donc, et à la semaine prochaine. Merci, Agathe. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. À la prochaine. Bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. À la prochaine.